Good morning, allez Yiden, les tu seras aujourd'hui les Lonishmat, Moribé Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Risha Batraim Nechemia, ainsi que l'Irfuat, Avraham, Uri, Ben Reut, Betoch, Sh'ar, Chol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier notre prochaine étude de Mishnah, côté avec 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Zvachim, Perek Dalet, Mishnah Bet, Kol Anitanin, Al Mizbeach Apnimi. Shim Chisan Chad Mina Matanot, Loki Per, Lefikaf, Mnatan Kulan Ketiknan, Cette Mishnah est la, je sais pas si on peut dire la réciproque, un peu la deuxième, la suite en fait de la Mishnah précédente. Donc ça va nous permettre de répéter, de réviser les notions qui ont été évoquées. C'est très bien parce que lorsqu'on étudie quelque chose de nouveau, alors on découvre la première fois, ça fait un peu peur. Puis après on répète une deuxième fois, une troisième fois et d'un coup on commence à réaliser que finalement c'était pas si sorcier, il fallait juste s'habituer aux nouvelles notions tout simplement. En tout cas, concrètement, le principe est presque le même. Je me concentre sur cette Mishnah. Il y a certains korbanot où il faut nécessairement faire entrer le sang dans le Echal et l'asperger là-bas, sur la parochet, le rideau qui sépare le Kodesh HaKodashim du Echal, ainsi que sur le Mizbeach Apnimi, l'autel de l'encens, le Mizbeach Aktoret, le Mizbeach Apnimi, le Mizbeach HaZahav. Il a plusieurs noms, il était en or, à la différence du Mizbeach de dehors, qui était en terre, pierre, en cuivre, dans le Mishkan. Donc en tout cas, lui, c'est le Mizbeach HaZahav. Il y a certains korbanot où il faut nécessairement faire entrer le sang à l'intérieur et l'asperger, comme en l'occurrence à Yom Kippour, où là-bas on va même dans le Kodesh HaKodashim. Sinon d'autres korbanot, comme le Par Elem Davar Shel Tzibur et tout ça, où il faut faire le sang, donc asperger le sang sur la Parochet et sur le Mizbeach HaZahav. Il y a une singularité pour les sangs que l'on doit faire à l'intérieur du Echal, c'est que la Torah nous a donné un certain nombre d'aspersions à faire. En l'occurrence, parfois, ça peut être 8 plus ou 7 plus 4, d'accord. Et plusieurs halachot, ou asperger, des fois il faut asperger sur la parochet. En tout cas, il va y avoir un certain nombre d'aspersions à faire. Et alors là, si on a manqué une seule aspersion, on a... Ouais, la Torah nous avait dit par exemple, comme on fait Yom Kippour, achat, 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 donc ça fait 8 aspersions sur la parochet par exemple. Et bien, si on a manqué une seule, on ne s'est pas acquitté du devoir. À la différence des korbanot qu'on a fait à l'extérieur sur le Mizbeach Hachitzon, ou là-bas, lorsque la Torah me dit de donner du sang pour un khatat, de donner aux quatre coins du Mizbeach, si je donnais, dès que j'ai fait un premier don, d'après Vatilel, j'ai pris une goutte de sang, je l'ai posé déjà sur le coin du Mizbeach, le propriétaire s'est déjà acquitté de son devoir, même si c'est une mitzvah de continuer. À la différence, les korbanot qu'il faut asperger à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, chaque aspersion invalide. Donc si la Torah m'a dit, sur ce coup-là, tu vas en faire 42, je crois, Yom Kippour on en fait, et bien si on a fait 41 ou 40, je ne me suis pas acquitté de mon devoir, j'ai rien fait. D'accord? C'est clair? De ce fait, ça va nous donner une halakha un petit peu différente. On va lire et traduire la Mishnah, et ensuite on va mieux expliquer la particularité par rapport au halachot de Pigoul. Kol anitanin al misbeach apnimi. Tous les sangs qu'il faut asperger sur le misbeach apnimi. Littéralement, tout celui qui est donné, noten donné, nitan, c'est la forme passive, donc tous les sangs qui sont donnés, qui sont aspergés al misbeach apnimi sur l'autel interne, donc l'autel qui se trouvait à l'intérieur du Echal de la Ktoret. Chez Im Chiser Achat Mina Matanot, l'okiper, que là-bas l'alacha nous fixe que s'il a manqué de donner un seul don, il ne s'est pas acquitté de son devoir. En général, par exemple, sur le Mizbeach, la Torah elle va me dire tu asperges cette fois, et puis après tu vas le Kohen, tu vas, tu déposes aux quatre coins du Mizbeach, donc ça va faire 11. Et là-bas, s'il a manqué à le donner même une seule fois, il ne s'est pas acquitté, il n'a pas du tout. Le propriétaire ne s'est pas fait expier sa faute. Il devra recommencer à porter un autre. S'il y a eu un problème qui s'est passé ensuite. Les ficar, pour cette raison. C'est pour cette raison que s'il les a tous donnés, comme il se doit, mais qu'il a fait un seul don de sang, donc une aspersion, parmi tous les 11 qu'il devait faire par exemple, une aspersion il a faite chez l'oketikna, pas comme elle devait être réalisée, il a pensé « chutz lizmano, chutz limkomo », alors, dans ce cas-là, « pasoul ve'en bokaret », le korban est invalidé, mais il n'y aura pas de karet. Et on explique un petit peu mieux, « Bezrat Hashem »,
c'est pas compliqué. Pour rappel, 4 avodot, shrita, kabbala, holacha, zrika. 4 avodot, 4 services qui sont impératifs, qu'il faut impérativement faire avec la bonne intention pour que celui qui apporte un korban s'acquitte de son devoir. Esgorger, shrita, kabbala, pour se réceptionner le sang, holacha, apporter le sang sur le misbéach, vezrika, l'asperger. D'accord ? Si toutefois on a réalisé ces 4 avodot avec une de ces 4 avodot avec une mauvaise intention, on va selon le cas soit invalider le korban, tout simplement, pasoul. Par exemple, si on a pensé à autre chose, si on a pensé chutz limkomo, et si on a pensé chutz lizmano, on a fait un pigoul, on a fait une grave, on a complètement invalidé, on a répugné, rebuté, c'est traduit par Zadokan. D'accord ? Le korban est devenu pigoul. Et celui qui mangera ce korban, il sera chayav karet. Pour le moment, c'est clair. Maintenant, pour rappel aussi, pour le pigoul, il faut nécessairement faire une avoda, mais que les autres avodas soient faites comme il se doit. Ou en tout cas, penser juste à chutz lizmano. Mais si j'ai une double intention, une fois chutz lizmano, une fois chutz limkomo, ouais, dépasser les limites de temps, dépasser les limites d'espace, alors le korban est uniquement pas soul, mais pas pigoul. D'accord ? Pour le moment, tout va très bien. La Mishnah, maintenant, il y a un petit point que je veux mettre en évidence. C'est que si j'étais shochet, j'ai égorgé le korban en pensant chutz lizmano. J'ai pensé qu'il allait manger le korban khatat pendant 2 jours. Donc le korban, il est devenu pigoul. Même si après, j'ai fait le reste des avodot comme il se doit. Je me suis dit, non, finalement, je regrette et je vais le manger en 1 jour. Donc j'ai fini de faire le korban en 1 jour, mais j'ai eu une intention de chutz lizmano, je l'ai rendu invalide. Idem si à la place de la shrita, j'ai fait la kabbalah chutz lizmano. Ou j'ai fait la holacha chutz lizmano, ou j'ai fait la zrika chutz lizmano. Ça veut dire, si j'ai gorgé le korban comme il faut, j'ai fait shrita, ensuite kabbala, j'ai réceptionné. Après j'ai transplanté le sang comme il faut, je suis entré avec dans le kodesh, dans le echal, pour là-bas l'asperger, et là-bas j'ai fait la zrika chutz lizmano, le korban est devenu pigoul. Mais là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que lorsque je dois asperger 11 fois le sang, il faut nécessairement que pendant les 11 aspersions, que j'ai l'intention de le faire chutz lizmano. Étant donné que, d'accord ? Et si j'ai fait les 11 aspersions chutz lizmano, alors le korban est devenu pigoul. Mais si par contre, j'ai eu sur une des aspersions, j'ai eu une intention de chutz lizmano, mais sur les autres aspersions, j'ai pas eu d'intention de chutz lizmano, j'ai fait le korban comme il se devait, le korban il est devenu pas soul, mais pas pigoul. Pour devenir pigoul, il faut qu'une des 4 étapes soit faite. Alors c'est un peu dur à dire, à définir, mais en tout cas, elle soit faite entièrement chutz lizmano. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on appelle dans la Gemara « en mefaglin bechatzi matir ». S'il y a une action qui est censée permettre le korban, si j'ai fait la moitié de cette action avec chutz lizmano, en pensant chutz lizmano, mais l'autre moitié je l'ai faite comme il se doit, j'ai pas fait l'étape qui, avec la mauvaise intention qui va invalider complètement. Donc le korban, il va être certes invalidé, mais il ne va plus devenir pigoul. Et c'est ce qui se passe avec l'aspersion, donc par exemple des 11 matan damim, où il fallait donner 11 fois le sang. Si j'en ai fait un chutz lizmano, je ne l'ai pas rendu pigoul jusqu'à ce que je fasse les 11. Si j'ai fait les 11, je l'ai rendu entièrement chutz. J'ai eu une des 4 étapes intégralement qui a été réalisée chutz lizmano. Dans ce cas-là, le korban sera devenu un pigoul, il a été répugné complètement, il y aura un issour karet. C'était clair ? On refait ça dans les mots, l'efficaf, la deuxième partie. Im natan kulan ketiknaan, s'il a versé tous les sangs, il les aspergés, comme il se doit, ketikna, comme chez eux, metukan, comme il se doit. Ve achat shelo ketikna, mais il y a eu une aspersion qu'il a fait shelo ketikna, pas comme il se doit, une seule parmi les 11, parmi les 40, 41, je crois, à Yom Kippour plutôt. Alors, dans ce cas-là, le korban, il est pas soul, il est rendu invalide, ve en bo karet. Mais il n'y aura pas de condamnation de karet. Pour quelle raison ? Regardez le Barthénois qui nous dit, ve en bo karet, pourquoi ? Chez en mefaglin bechatzi matir. Car on ne rend pas le korban pigoul si on a l'intention que sur un chatzi matir, la moitié d'une des étapes qui est censée permettre. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tuv, selah.